Bonjour à toutes et à tous. Voilà, nous allons faire une autre vidéo donc qui consiste à l'association de la carte de la maison, donc du jeu de Mademoiselle Lenormand, la carte de la maison avec les 35 autres cartes. Donc voici la carte numéro 4 qui est la maison associée avec la carte numéro 1, le cavalier. Ça veut dire une visite. Une visite va arriver chez vous. Carte numéro 4 avec la carte numéro 2, le trèfle. Ça veut dire chance dans le foyer. La maison avec la carte numéro 3, le vaisseau. Ça veut dire une maison à l'étranger. La maison avec la carte numéro 5, l'arbre. Sérénité et bonne énergie dans le foyer. La maison avec la carte numéro 6, le nuage, querelle, conflit dans le foyer. Carte numéro 4 avec la carte numéro 7 qui est le serpent. Des membres de votre famille jalousent votre foyer. La carte numéro 4, la maison avec le 8, le cercueil, maladie ou décès dans la famille. La maison avec le bouquet, la carte numéro 9, joie et sérénité dans le foyer. La maison avec la faux, la carte numéro 10, il y a une coupure dans les liens familiaux. La maison avec la verge, la carte numéro 11, querelle familiale. La maison avec la carte numéro 10 qui est les oiseaux, discussion dans la maison, discussion dans le foyer. Carte numéro 4, la maison avec la carte numéro 13 qui est l'enfant, c'est une maison familiale. Un foyer heureux. La maison avec la carte numéro 14 qui est le renard, qui est la carte du travail, ça veut dire, donc ça représente un travail à domicile. La carte numéro 4 avec la 15, l'ours, c'est un foyer aux finances abondantes. La maison avec la carte numéro 16 qui sont les étoiles, c'est un foyer serein. La maison avec la carte numéro 17 qui est la cigogne, c'est un déménagement. La maison avec le chien, la 18, c'est la fidélité et le respect dans le domaine familial. C'est une famille où on discute et où on est fort amis. La carte numéro 4, maison avec la tour, le 19, carte 19, c'est une maison de retraite. À présent, si avec ces cartes, il se présente à la suite ceci, la carte 32, la lune, ça veut dire que c'est un hôpital psychiatrique. Carte numéro 4 avec la carte numéro 20, le jardin, c'est une belle vie sociale et amicale. La maison avec le mont qui est la carte 21, il y a des obstacles dans le foyer. Des gros obstacles, des gros ennuis. Carte numéro 4, la maison avec la 22, le chemin, il y a un choix à décider en famille. La maison avec les souris, la carte 23, il y a des petits vols ou des soucis d'argent dans la famille. La maison qui est la carte numéro 4 avec le cœur, la carte numéro 24, c'est une maison remplie d'amour. La maison avec l'anneau, la carte 25, c'est un foyer heureux et uni. La numéro 4
La maison avec la 26, le livre. C'est une maison secrète. Un endroit secret. La maison avec la lettre. La carte numéro 27, vous allez recevoir des nouvelles à propos d'une maison. La carte numéro 4 avec le monsieur, la carte 28. C'est un monsieur chaleureux et compréhensif. Oups. La carte numéro 4 avec la carte numéro 9, c'est la même chose. Donc c'est une dame chaleureuse et compréhensive. Avec la carte 30, le lys, c'est une maison où règne la droiture et la bonté. La carte numéro 4, la maison avec la carte 31 qui est le soleil. Bonheur dans le foyer, c'est une famille chaleureuse, famille heureuse. Alors, avec la carte 32, la maison avec la lune, il y a des problèmes psychologiques et des dépressions dans le foyer. Je perds toutes mes cartes. Oups. La carte numéro 4, la maison avec la 33 qui est la clé. Il y a des solutions qui sont trouvées aux problèmes familiaux. Avec la carte 34, donc la maison avec les poissons, ça veut dire propriétaire, agent immobilier ou un constructeur, quelqu'un qui construit des maisons. Avec la carte 35 qui est l'ancre, attachement familial profond. Et enfin, avec la carte 36, la dernière carte du jeu, eh bien, il y a un malheur dans le foyer. Voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo avec la carte numéro 5.